Comment je fais ma recherche, ça vraiment, ça dépend du personnage, parce que chaque personnage, c'est une recherche complètement différente et le processus est complètement différent aussi. Ce que je fais, c'est j'essaie de me mettre dans la tête de ce personnage-là et j'essaie de regarder les choses que ce personnage-là regarderait. Et je vais dans les magasins pour voir qu'est-ce que ce personnage s'achètera. Je vais lire les livres que ce personnage lirait. C'est vraiment, chaque fois, c'est très, très, très différent. Souvent, je dessine et il y a des éléments que je trouve. Mais c'est sûr que sur les films modernes, c'est surtout le processus de trouver des choses. Pour Guy, c'est quelque chose qui le préoccupait beaucoup. Il voulait vraiment que ça soit splendide. C'est sûr qu'il me parlait beaucoup de ses inspirations, les films de Hitchcock. On regardait des images de Grace Kelly. Ça, c'est le costume le plus important du film. Ça, c'est des costumes qu'on a eu des maisons de couture, il y en a des affaires qui à Monica perso, ça c'est à moi personnellement, ça c'est à Monica aussi, c'est un peu, c'est vraiment teamwork, tout le monde apporte ce qu'ils peuvent, on cherche partout, on s'aide beaucoup. Sur Ville-Marie, on a eu le défi des costumes d'ambulanciers qui était d'ailleurs, je dirais, le défi le plus important du film. Parce que quand on a commencé à préparer le film, on pensait que les uniformes des ambulanciers, on va juste les acheter ou ils achètent les ambulanciers et ce serait ça. Mais ça est devenu évident assez vite que non, ce ne serait pas le cas parce qu'on n'a pas l'autorisation. Et tous ces vêtements, ça vient des distributeurs spécifiques qui n'ont pas le droit de vendre ça à personne d'autre que des ambulanciers. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va créer quelque chose de similaire? Est-ce qu'on va créer quelque chose de complètement différent? J'avoue que l'élément dont je suis la plus fière dans le film, c'est les uniformes des ambulanciers.